sérieux cette nouvelle équipe, et on se retrouve aujourd'hui les gens pour un tout nouveau jeu Mobile, qui est dispo normalement sur toutes les plateformes. Exactement. C'est IQ Dungeon. Donc c'est assez marrant parce que du coup c'est Louis qui est Mimir qui nous a recommandé le ce jeu. Le frère de Guillaume. Et en vrai il a des très très bonnes notes, c'est un jeu qui est pas très connu. Non. Le développeur il a fait que ce jeu là. Oui. Il y a une mise à jour en plus il y a pas très longtemps, il y a 200 niveaux et j'ai l'impression qu'il a l'air d'être assez maintenu. C'est un petit peu dans l'esprit de Brain Out mais version médiévale. Et c'est pas si simple apparemment. Non, donc... ça a l'air de... Non mais c'est bien, en plus non, il mais... est bien en forme, voilà. Cerveau non, mais à moi, 100%. Je suis en pull, il fait 30 degrés, je m'en fous, je suis en pull, c'est l'été, je me mets en pull. Ouais. Non mais en vrai les gens, faut faire péter le pouce bleu parce que je suis sûr que vous connaissez pas le jeu. Ouais, et que vous allez surkiffer. C'est sûr, donc je sais pas si on vous met un lien dans la description ou pas, mais c'est tapez, vous allez voir sur les stores, c'est IQ, donc IQ, et Dungeon en anglais quoi. Ouais, donc, de toute façon vous mettez dans la description le nom du jeu. Voilà, alors, vous inquiétez pas. Le but du jeu donc c'est que je peux déplacer un petit peu tout, tu vois, c'est-à-dire que là il faut que j'achète... Bah c'est interactif. De l'équipement voilà. Pour aller faire mon aventure, parce que c'est une sorte de petit RPG, tu vois. Donc tu prépares de l'équipement pour ton aventure, voilà. Niveau 1. Et donc faut que j'aille acheter, je vais acheter des trucs, je vais acheter une épée, tiens. Donc il me demande de l'argent. Alors, on connaît le niveau 1 parce qu'on l'a testé. Parce qu'en fait, c'est le frère de Guillaume, il nous a dit, allez-y, il faut de l'argent. Testez le jeu, vous allez le faire en vidéo, c'est sûr, il est trop bien. Et voilà. Donc, et là, il y a des pièces. Voilà. Et comme il y a des pièces, et ben, du coup, c'est bon. Victoire. C'est là, une nouvelle histoire commence. Et du coup, après niveau 2. Donc il y a, 190 niveaux, je crois. C'est arrivé il y a vraiment pas longtemps la suite, mais c'est un petit jeu, il y a de la musique, il est gratuit, et il n'y a pas de pub en mode avion, normalement, donc voilà. Bah là, on est en mode avion, et pour l'instant, on n'a pas de pub. Exactement. Sauf la fille. Salut the girl. Alors je crois que celui-là on l'a pas fait, mais à l'aide. À l'aide, à l'aide. Sauf que et si tu lui enlèves l'arme, tu peux pas lui enlever une arme? Non mais t'es en train de toujours faire la même chose. Je peux pas lui enlever l'arme. Attends. Ah. C'est pas mal. Je crois que c'est ce genre de jeu. Tu es un génie. Je sais. Merci. C'est pas mal. C'est pas mal. Vaincre ces ennemis. Vaincre les ennemis. Le rocher, non? Ah. Ouais. Donc là, on peut faire ça comme ça. Bien joué d'avoir remarqué ça. Alors, comment raisonner? Regarde la... Utilise ton imagination et ces différentes choses. Pense de façon logique, réfléchis très fort. Alors... Oh là là, réfléchis très fort. Oh. Regarde la flèche. Donc, si jamais la flèche, elle est... Pense de façon logique et réfléchis très fort. Donc là, c'est un niveau. En fait, on voit tout au-dessus du niveau. Il y a, en gros, si ça va vers puzzle... Ouais. C'est-à-dire, c'est un truc très logique. Ah, si ouais. La flèche elle va vers la petite lumière, c'est c'est un truc, essayer de réfléchir à un truc de délirant, ça ouais, sera c'est ça, ça ouais. Donc là c'est donc logique. Là, c'est logique. Donc la logique veut que on sûrement on attaque le plus fort en premier. Non. Ah oui, non, je peux pas. Ok, je suis dead. Si t'as le niveau 1. Ah bah il est niveau 1, je monte de du niveau. Du coup tu montes de niveau. Ouais, mais t'as pas assez de niveau là. Donc faut attaquer le niveau 2 en premier alors. Ah ouais, et tu... Ah oh. Donc je tape le niveau 1. Easy. Ah mais non, t'as pas assez de niveau. Et du coup, le niveau 2. Il aurait fallu que tu tapes le niveau 3 avant, alors. Pour être niveau... Oui, ouais, c'est ça, je pense. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà, comme il dit, c'est logique. Trop bien. Donc en gros, la solution, elle est plus évidente dans le sens où c'est juste oui. De la logique. Oui. Voilà. Penser de façon logique. Donc là, ils disent que c'est plus de façon... Ouais, fun. Mystère. Bah quoi. Ouais, trouve l'entrée du donjon. Il y a un donjon? Bah, les pierres, peut-être, non? Tu peux pas enlever les pierres? Ah! Ah! Ah, on a trouvé! Trouvé. Yeah, yeah. Fallait glisser les arbres. Bien joué. Ouvre la porte. Ok, d'accord, on continue du coup. C'est vraiment une sorte de petite quête alors. Ah bah il y a un oiseau là. Je pense qu'il y a un truc à... Il doit avoir une énigme. Parce que tu sais, il y a des totems. Voilà, c'est ça. Alors, attends. Il y a une énigme. Je le vois. Je le vois pas. Et ah je ouais le vois pas.
Je le vois, je le vois pas, et je le vois. Non. Tu le vois, tu le vois pas. Tu le vois... Non, il est tombé. Ah. Tu le vois. Ah. Ah. Et puis ça, c'est tombé. Oui, ça, je le vois, mais je sais. Mais du coup, okay. On voyait aussi lui. Non, il y a autre chose. Ça se trouve... J'ai pas enlevé de la... Ah, si. Ah ouais. Donc tu le vois, tu le vois pas. Ah. Ah, faut tous les voir. Ah. Et après, tu les vois tous. Non, je pense que t'as pas assez enlevé. Ou alors... Ah bah non, mais non. Il y en a un qui se cache les yeux. Donc en fait, eux, ils eux, on voit les yeux, et les autres se cachent les yeux. Ah, j'avais pas vu. Mais oui, en fait, il y en a, il y a leurs yeux, et puis les autres, oui, ils se cachent les yeux. C'est comme ça. On dirait que la princesse est enfermée dans ce donjon. Vint le gobelin. On l'a dit, c'est logique, tu vois. Donc là, faut attendre que faut voilà. Attendre qu'il attaque pour attaquer. Donc c'est pas mal, c'est un mélange de, ouais. de Brain Out, mais en même temps non, parce que... C'est moins... Bah t'as des trucs un peu plus... Ouais, un peu plus logique. Genre aventure, quoi. Ouais, ouais, exactement. Ouvre la porte. Bah je pense qu'il va falloir les placer... Ah bah. Bah là. Voilà. Ouais, mais pourquoi il y a un trou en haut à droite? Pourquoi il y a un trou... Ah oui, parce qu'il y en a. Il y en a, c'est la dalle qui est tombée, elle est cassée devant. Oh, mais du coup, ça correspond à quelle dalle? J'ai l'impression si, mais, qu'ils ont mais bougé. Non, mais... Oh, là, non, mais attends, oui. Attends. Là. Oui. C'est ça qui est celle-ci qui est tombée, donc il y en a un là aussi, sauf que lui, il est ouais, cassé. Ouais, justement, j'ai l'impression qu'il avait bougé, c'est pour ça, quand t'avais touché. Non? Ah, mais toi, place ton bonhomme! Ah oui. C'est Fort Boyard! Bah oui! Bah oui! Félindra, tête de tigre! Voilà. Échappe-toi en faisant un seul mur. Disent que c'est de la logique. Hein. Ah! Non. Bah, c'est facile, ouais, de là à là. Non, de même carrément en bas. Ouais! C'est marrant. Adieu, gobelin. Je trouve qu'il y a deux cerveaux, on y arrive bien. Donc là, c'est logique. Traverse le chemin. Tu peux rien bouger? Secoue? Souffle? Je sais pas. Ah. Ah! Ok. Ah, ok. Tu peux là ou... Ah, d'accord. En fait, c'est un truc en neuf. Oui, c'est juste que je le voyais pas. Sauf que le gobelin, faut le virer. Sauf que. Ouais, mais. Bah, il faut que tu le battes. Comment tu veux faire? Ah oui, non mais si, du coup en fait j'ai fait n'importe quoi. En gros il faut que ça soit à la fin, parce que je vais trouver une arme. Ah, dans le coffre. Voilà, et il faut que j'ai la clé avant l'arme, alors le coffre et je trouve une arme, non je pense. Ah, voilà, bah oui. Bah oui. Franchement. C'est pas mal, c'est hein. C'est pas mal, ouais. C'est assez original pour le coup, ça ressemble pas du tout, hein, je trouve, hein, moi, c'est Non. C'est Et donc c'est un logique. Développeur, alors le nom a qu'un peu consonance japonaise, mais du coup c'est son seul jeu. Oui, ouais. Mais ils savent bien dessus, hein, parce qu'il y avait, il y a encore 3 jours, je crois, ouais, il a fait 50, ouais. Ouais, 40 niveaux de plus. Sauve la princesse. Il a des clés. Il dort. Ok. Il y a un truc avec... Ah, tu remplaces les clés par des pierres? Ok. Non, il dort, mais il se réveille quand tu l'approches. Sachant que t'as les possibilités d'utiliser des indices, hein. Ça coûte cher, mais... Ah non, je pourrais utiliser qu'un, on gagne pas. On va rester Keblo, hein. On va rester Keblo, ouais. Avec le feu, tu peux pas... Ah, ok, d'accord. Du coup, tu l'enfermes. Oui. Bah oui, tu as réussi à sauver la princesse Charlotte. Ouais. Ouais. Ah, la princesse au château. Arrête l'eau. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Attends. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. J'ai commencé, ouais, ça commence à faire. Mettre son doigt dessus. Mettre le doigt dessus comme ça. J'en ai fallu de peu, bien joué. 20, l'orque. C'est marrant. Bravo. C'est certainement impressionné la princesse.
traverse le chemin. Puis la petite musique est mignonne et tout. Bah, 2. Ah, yes. 4. 3. Ah, mince. Bah non, parce qu'il faut la clé. Alors. Donc, 6. 3. 5. 5. Ah, t'as pas 5. Ok. Ouais. 6. Ah mais non, parce que... Et 3, 1, 2, allez non. Ah oui, 3, et 2. Bien joué. Et ouais. Ça va, t'as pas trop recommencé, hein. C'est vraiment, c'est plus logique des fois que des... Bah là, tu vois, et là, du coup, c'est un niveau vraiment à l'imposé, parce que là, c'était complètement logique avant. Bah là, du coup, c'est un niveau de... Faut essayer de tapoter partout, donc là, faut s'échapper de la pièce. Non, je sais pas, comme il... Deux fois de suite, quand même, si. Bah, je sais pas, avec le... en fait, c'est le mur, c'est pour le décaler. Ah, sinon, tu peux décaler la porte. Dès qu'il me voit. Ah, bah oui. Non, on va pas éteindre le... Ça marchera pas parce que... Non, parce qu'on a pas le micro, je sais, je sais. Tu peux pas lancer une pierre pour que tu fasses du bruit ou lui cacher les yeux. C'est une blague, c'était non, ça? Non, c'est ça. En gros, du coup, faut lui cacher c'est les énorme. Yeux. Pendant que tu passes avec ton autre doigt. C'est pas mal! Bah, GG, bon, vos trouveurs sont le genre de jeu aussi. Échappe à cette situation difficile. Ah! Ouais, mais le problème, c'est que tu vas tomber. Il faut inverser, tu peux pas inverser. Ah non, les tenir! Tu peux pas les tenir ou leur faire une place. Voilà. GG. Excusez-moi, j'ai le cerveau qui surchauffe. Attends, là. Où est le roi? Cherche l'escalier secret. Sous le tapis? Mais où est le roi? Mais où est le roi? Mais où est le roi? Bah, je regarde. Quitte le château avec la princesse, ensuite exécute d'examiner le trône du roi alors que l'évêque n'est pas là. Mais comment on part avec la princesse? Ah! Ok. J'ai mis 15 fois devant. Oui, 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 oui. Mais il fallait mettre dessus. Du coup, il faut partir. Ah, parce que je pouvais pas monter à cause de l'évêque. Ouais. Et maintenant, je peux monter. C'était quoi? Examine le trône. Ah! 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 Victoire! On a plus de thunes. Punaise! Où est le roi? Cherche le miroir de vérité. Bah, le miroir de vérité, il est là-haut. Ouais. Ah ouais, tu penses que c'est ça? Tu fais 2, hop, tu montes. Et tu peux aller directement prendre le miroir, vu que tu peux déplacer les objets. Et si tu fais ça? Non, ça roule pas. Mais pourquoi il a des ailes? Ah, oh, GG, t'as réussi. Non, faut que tu... Ah, c'est parce yes. qu'il y a le bout de l'échelle. Ah oui. Ouais. En fait, si je pouvais même monter que 2 pots, mais une fois que j'étais 2 pots, je pouvais encore monter encore plus haut. Oui, c'est ça, plus, c'est ça. Fait. Ah, c'est pas mal. Bien joué. Où est le roi 3? Cherche le roi. Ah, c'est trop bien. Quoi? Bah, t'es passé devant l'évêque, en fait. Je pense que ça, c'est une sorte de scanner. Ça te dit qui c'est? Si c'est le miroir de vérité. Tu vois, c'est un faux. Je pense. Non, c'est pas un faux, c'est lui. Ah bon? Ok. Ah! Faut sortir. C'est non, c'est pas lui le roi. Là, c'est des cochons. Ah!
Tu peux pas les virer, les cochons? Bah, j'aimerais bien. Mais si tu bouges le bonhomme, ça se trouve, ils vont s'enfuir. Vu que c'est leur gardien. Ah. Yeah! C'était le roi, il s'est transformé en cochon. Oui, c'est ça. Bah, c'est Chihiro. Bah, oui, le roi, bah là. Ah, faut le remettre sur le trône? Ah. Ah, ah, c'est un méchant! On a trouvé le méchant! C'est une blague? Pour un démon d'Arua, c'est marrant! C'est marrant, ouais! C'est pas mal! Hein. Eh ouais, c'est pas mal de ouf! Prends l'arc et la flèche! Ah, du coup, je suis dead! Je recommence l'histoire avec un autre? Ah ouais? Bah oui! Et du coup, la princesse a été de nouveau kidnappée! Faut que tu recommences. Sur ton truc là, t'as un truc. C'est pas de l'argent ça? Ça fait l'échange de bon procédé. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, t'es Link. Un nouvel héros est né. Oh non! Ah, du coup, premier héros est dead! Vainc tous les ennemis. Ouais, sauf que l'autre. Non? Il doit en avoir d'autres. Qui est l'ennemi? Là, je voyais l'ombre. Bravo. Terre, j'ai pas vu. Par terre. Bravo. Qui a super capacité d'observation. Détruis le mur de slime. Oh, c'est trop chou. Oh, mais t'as que 3 flèches. Ah oui, d'accord, okay, ok. Ah oui, c'est un truc qui... Oui. Ouais, ouais. Donc, c'est violet, donc, il faut que je fasse violet, rouge et bleu. Ah, c'est marrant. C'est trop chaud. Ah, franchement, c'est trop bien. Vainc tous les ennemis. Ouais, sauf que lui, ça se trouve, il va utiliser son marteau pour le leur envoyer. Tu peux déplacer le lutin? Bah oui. Plus facile, non? Marché Patrick. Détruire le mur de slime. Plus dur. C'est pas t'as 5 flèches. Moi, je ferais rouge. C'est pas violet, c'est peut-être rouge. Violet, ils sont tous les uns avec les autres. Rouge. C'est bon, vert et bleu. Et bleu. GG, tu es un génie. Je sais. Dit que j'étais un génie. Arrête-le. Ah, mais du coup, il a les yeux ouverts. Voilà, c'est ça. Sauf que l'autre, il a les yeux. Ah, ok. Non, mais non, c'est, bon. C'est bon. Si, si, c'était bon. Voilà. Good. Bravo. Je trouve qu'on est des. Incroyable. Incroyable, ouais. C'est pas mal, parce que du coup, après, ça part sur autre chose. Sauf que lui, il dort, et il y en a un derrière le rocher à gauche. GG. Et en hauteur, comme tu faisais, non? Bah, je sais pas. Ce coup? Non, non, j'ai déjà fait. Ah, si! Ah, c'est la réveillée! Punaise! Mais j'avais déjà fait en plus, mais j'ai pas assez secoué. Ouais! Sauve le chevalier. Ah, mais c'est toi? C'est ton toit d'avant? Non, il faut faire ça. Discrétion. Quoi? What? Quoi? Hein? Tu peux pas le mettre dessus? Hein? Je pense qu'il y a un truc à faire avec le cheval, oui. Oh, c'est trop stylé! L'archer Patrick a rejoint ton groupe. Ah, vous êtes deux maintenant! Ah, du coup, non, il était pas dead, c'est juste que. Non, on l'a non, sauvé c'était un autre. Ah, ouais, du coup, on est deux! Sors de la forêt magique. Alors, lui, il fait ça. Lui fait ça, et l'autre il fait... Ah, ils ont changé! Ah oui, mais non, d'accord, ok. Ah, c'est pas là, du coup. Là... À droite? 2... 3... 4... Comment t'as fait?
Parce que je suis trop fort. Comment t'as réussi? Logique. Quand c'est logique, c'est facile. Ah oui, et donc en fait... Mais ouais, là c'est 1, 2, ah ouais, ah ouais, ah oui, ah oui, ah d'accord. Donc 1, 2, 3 et 4. J'ai l'impression d'être surhumaine. Bah non, t'avais pas compris. Non, j'avais pas compris. Je suis sûre que vous avez pas compris. Le nombre d'yeux. Le nombre d'œils avec les mains. Ouais, c'est ça. Peint tous les ennemis. 1. Tu t'en démords pas de ton... de tes flèches qui vont retomber un moment. Oh, j'ai trouvé. Punaise. J'ai trouvé. Qui m'était en train de laisser. Ouais, j'allais regarder. Presque la soluce, et au moment où tu... Ah. Faut déplacer la porte. Ah, oh, c'était pas logique. Quel génie. J'avoue là, quel génie. Hein. Punaise. Bravo. La porte. 20 tous les ennemis. Il y a un truc à faire avec la porte. Ah, elle est fermée. À part lui, tu peux pas déplacer. Non, je peux pas déplacer. Pourquoi tu peux pas déplacer ce idiot? Il bouge pas. Ouais, c'est comme ça un archer. C'est comme ça un archer pour... Oh. Je peux faire exprès. Mais bah, c'était quoi ça? Je le fais exprès. J'ai même pas fait exprès, je vous jure, j'ai pas fait exprès. Répare la statue du héros. On a trouvé... C'est Excalibur. Trop chaud leur truc là. Ouais. De ce côté à la tête. C'est quoi ça? Oh, c'est un slime! Tu t'es pas vidé. J'en ai pas content. Ouais! Yeah. Qui a autrefois sauvé le monde. Maintenant, c'est ton tour. Préparons une potion. Ah. Ok. Bah oui, c'était logique. De quoi que jaune et bleu, ça fait du vert? Mais non, mais c'est ce qu'il y avait dans son bouquin. Ah oui, d'accord. C'est ce qu'il y avait dans son bouquin, et du coup, il fallait secouer pour mélanger, c'est logique. Ah, du coup, t'as un nouveau perso. Oui. Et en fait, à la fin, tu vas avoir la communauté de l'anneau, quoi. Ah, sauf qu'il t'en manque un. Ouais. Faut faire au bon moment. C'est pas logique, donc attends. Hein. C'est pas logique. Ah, tu peux le déplacer. Je peux le déplacer. J'ai l'impression que le truc a bougé. Ah oui! Faut trouver là, tu vois, c'était un bon moment. Non, c'était pas un bon moment. Bien! Ok, je savais pas qu'on pouvait. Bon, on s'arrête à quel niveau? Donc tu dois faire du orange avec du rouge et du jaune. Voilà. On mélange bien. Et après, tu rajoutes du bleu. Ouais! Un vrai magicien. D'un seul coup? D'un seul coup? Mais c'est trop petit? Bah, un peu, ouais. Tu peux pas l'agrandir? Ce que j'essaie de faire. Non, j'ai essayé. Ah oui? Moi, j'ai joué. Bah, si jamais vous voulez un épisode 2, il y a que Kim qui jouera. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que j'ai gardé l'iPad, mais après, on s'est aidé. Il doit y avoir un truc à faire, peut-être avec le soleil ou. C'est un truc pas logique, hein. Mais justement, y a pas les nuages, je peux pas déplacer le nuage ou... Oh, le rétrécir, lui. Non. Tous les rétrécir, non. Ouais, puis là, le rond est vraiment tout... Ah, ah bah tu vois, je t'ai dit. Un truc avec les nuages, c'est le premier truc que je t'ai dit. Oui, oui, certes. Échappe à cette situation. Bon, on arrête. On arrête, okay. Là. Ah. Tu fais ça, ça... Ah oui, quoi?
Non, mais faut relier. Vas-y. Comme ça. Ah oui, donne la solution. Non, c'était ça. Parce que t'as fait un sort. Ah, c'est pas mal. J'ai fait un sort et du coup... Bon, on arrête à la potion. Ouais, on fait la potion. Non, on arrête à la potion. On fait la potion et après on arrête à la potion. Il faut un œil violet. Attends, non. Il faut un œil violet. Mais là, il est pas violet. Bah non. Il faut manger le rouge et le violet pour que ça... Ah, non. Non, non. Ah oui. Non. Ah, il aurait fallu que t'enlèves le bleu. Ok. Il fallait un rouge chat là. Non, c'était quoi? Rouge. Tentacule. Non, c'était, non, c'était bon. C'était bon. Et du coup, tu mélanges tout? Essaie de faire du orange. Ouais, mais t'as. Il... Ah, fallait le chauffer. Ah mince. Oh punaise. Bah, mais j'ai... tu peux le chauffer après, non? Non, c'est j'ai changé les couleurs. Ah oui. T'as dit. Alors. Ah oui, d'accord, il faut chauffer chaque truc. Un truc rouge. Ouais. L'œil violet. L'œil violet. Bah oui, parce que ça se mélange pas sinon. Ça sert à rien ce qu'on fait. Et si. Oui, mais si tu le chauffes pas. Voilà, ça se dissout pas en fait. Ah, c'est stylé. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. En vrai, c'est pas non, mal. Non, hein. Non, vraiment, il y a c'est ça, pas mal. Jeu. Ouais. Bravo. Voilà. Tu viens et de faire une potion compliquée. Je rends l'iPad et ça sera à Kim de jouer la prochaine exactement. Fois. Donc en le jeu cas... il est gratuit, on le répète, c'est oui. IQ Dungeon. De Ira Meku. Donc vous regardez bien quand vous achetez, quand vous téléchargez le jeu. Ouais, c'est un c'est jeu ça. Gratuit, Ira Meku, de toute façon IQ Dungeon, donc IQ et plus loin Dungeon. Ouais, vous, on essaie ça. De mettre le lien et puis sinon vous tapez bien le ce qu'on a écrit parce que sinon vous allez tomber peut-être sur d'autres jeux. Mais oh, je pense pas exactement. Qu'il y ait beaucoup de jeux Kobe, qui ressemblent. C'est un tout petit jeu. Ouais, franchement c'est qui a pas du tout beaucoup d'évaluation et qui est giga quali pour le coup. On a fait 38 niveaux, il y en a 200 presque. Oui. Franchement, ouais, t'as 2-3 heures de jeu tranquille. En et puis cas, c'est facile sans... sans. Et puis c'est ouais. Satisfaisant d'avoir des énigmes loufoques. Tu vois là où Brain Out, en fait, t'es avec des énigmes loufoques. Tu vois, t'es avec des trucs pas très logiques oui, en fait. Oui, ouais, des fois, oui. Oui, oui. Ou là, en fait, t'as du pas très logique, mais juste logique. Après, t'auras un petit truc de ah, faut être un peu. Faut un peu oui, logique. C'est ça, et c'est du coup, ça. C'est peut-être plus satisfaisant, c'est peut-être moins idiot quoi. Oui, ouais, ouais. Non, non, c'est vraiment stylé, c'est vraiment bien. Donc en si tout jamais cas, ça vous a plu, voilà, on espère que ça vous a plu parce que peut-être qu'il y aura une suite si jamais vous êtes hype. Voilà. Et puis sinon, bah, ça sera une petite découverte pour vous et pour nous aussi. Exactement. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Game Kim. Allez, salut!